Aujourd'hui, dans les tutos de Nico, on va parler JDOM. Alors nous voici donc dans le design de JDOM. Qu'est-ce que c'est JDOM ? C'est une box domotique qui nous permet de maîtriser plusieurs protocoles domotiques. Donc par exemple, on peut mélanger du Xiaomi avec du Netatmo, avec plein d'autres marques. Donc c'est pour ça que je suis allé sur JDOM, c'était pour mélanger les marques et surtout pour avoir quelque chose de plus stable et local. Donc voici JDOM. Là donc on est dans mon design. Le design, c'est-à-dire c'est moi qui ai fabriqué tout le tableau de bord ici. Donc voilà, je vais vous le présenter très vite. Il y a un petit peu de travail là-dessus, il y a quelques semaines de travail. Voilà, c'est pas un des plus beaux designs que j'ai pu voir, mais il me sert et il est bien pratique. Donc voilà, on fait le tour très vite. Ici, on a l'état de l'alarme. Actuellement, elle est désactivée. De météo. Le mode de présence. Donc je suis présent. Je ne suis pas parti en vacances. Ici, Domogique qui nous donne plein d'infos sur la journée. La vigilance météo ici, et la pluie dans l'heure dans les deux villes qui m'intéressent, et la lune. Ensuite, nous allons dans l'onglet lumière. Je vous rappelle que c'est moi qui ai choisi de faire ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Le slogan de JDOM, c'est l'imaginaire et notre seule limite. Là, ici, je peux appeler plusieurs scénarios, donc dans mon salon, les lancer, je vous montrerai pourquoi pas un de ces quatre. Ici, toutes les lumières de la maison. Ma gateway numéro 1, ma gateway numéro 2. Ici, mon thermostat Netatmo que je peux augmenter ou baisser. Ici, le contrôle des volets. On continue au niveau du matériel. Deux purificateurs qui me remontent les informations, les aspirateurs et les diverses prises. Je vous avoue que c'est l'onglet que j'ai le plus négligé. Au niveau des informations, donc celui-là aussi, il va falloir que je le retravaille parce qu'il y a pas mal d'infos. Vous pouvez voir les alertes pollen. Aujourd'hui, je sais que je vais morfler au niveau des allergies. L'air est plutôt bon à l'extérieur. Ici, je peux envoyer des notifications sur les téléphones de la maison. Le surf, les crues au cas où. Ici, est-ce que quelque chose est resté allumé? Oui, on voit actuellement qu'il y a une ampoule d'allumée. Les différents thermomètres de la maison. Réglage, c'est pas très rigolo. Et sécurité, c'est assez sympathique. Deux caméras. Une ici, une à l'étage, donc qui est en train de filmer le plafond parce que je suis présent à la maison. Celle-là, elle est en train de filmer à la fenêtre parce que je suis à la maison, donc ça filme le jardin. Voilà, et même si je fais, théoriquement, si je fais ça, j'ai un peu la bleublotte. Voilà, donc vous verrez, ça va apparaître. Ici, me voilà, youhou, c'est moi qui suis là. Donc ici, on a l'alarme, et ici, toute la sécurité de la maison. Voilà, c'était donc le design JDOM. J'espère que ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec JDOM. Voilà, je suis pas un grand féru, ça fait que quelques mois que je suis sur JDOM, mais franchement, c'est du super matériel domotique. Je vous dis à très bientôt dans les tutos Nico.